Et plop les gens, de retour sur Time Rift, chapitre 3, qui du coup est déjà un peu entamé parce que je n'avais pas vu la transition. En même temps, à part le succès qui dit que j'ai toutes les crypto-monnaies, je vois pas trop ce qui indique qu'on passe d'un chapitre à l'autre pour le moment. Vous pouvez peut-être le voir en bas de gauche, vous devez le voir, j'espère. J'ai ajouté un aperçu de ma manette. C'est un meilleur aperçu que ce que j'avais avant. C'est pour les curieux. Vous pouvez voir les mouvements que je fais, c'est indispensable. Mais moi, je trouve ça cool pour les jeux manettes de l'afficher. Donc, vous l'avez. Et ben, on démarre tout de suite. Et on va essayer de se souvenir des touches. Ok. On revient en arrière. Ici, on se retourne. Et on revient en arrière parce que on va crever sinon. Un peu dur comme niveau de reprise. J'en étais où? Hop, hop, on va là. Et on est à 7 sur 7, c'est bon. Je me plains un peu des fois, surtout quand c'était les mines, je me plaignais d'aller trop vite, mais en fait, j'ai la fâcheuse tendance à mettre mon curseur à fond. Du coup, ça n'aide pas pour doser. Rapport de test JE00904. Début du texte déchiffré. Ingénieur d'assistance du modèle Johanna Eberhardt. Version 0.904. Tous les tests ont été réussis, mais la performance en cognition sociale de ce modèle d'employé est toujours excessivement basse. Niveau d'erreur important détecté durant les évaluations d'inférence sociale et d'empathie. Recommandation : collecter des enregistrements audio additionnels du sujet humain pour élargir l'ensemble des données d'apprentissage. Fin du texte déchiffré. On dirait presque que c'est une IA qui gère. C'est sympa de nous balancer directement sur le mur. Ralentissez le temps avec LB pour faire passer plus facilement. Effectivement, j'avais pas fait gaffe que ça montait, du coup j'ai pris mon temps. Par ici. Oh, non, c'est bon.
On revient là. Je pense en tout cas. On est à 4 sur 7. Hop, hop, non. On va essayer de passer là, voilà. Non. Il faut bien jouer avec le... Avec ce que le niveau nous propose, mais faut pas traîner. Sur 7. Ouais. La reprise fait plus mal que ce que je pensais. Bon, j'y ai joué hier, je crois. Donc c'est pas une reprise 6 mois plus tard où c'est super dur, mais... Hello again, Alex. At the end of this server, you may encounter a large piece of data containing some of Vaultco's internal company files. Once again, I am obliged to remind you that this data is not a cryptocurrency unit and should therefore be ignored. Elle nous indique donc de récupérer ce truc là. Oui, on tire et on revient en arrière. Non. On revient en arrière, non pas ici. Mais là. Oh là là. Déjà, j'en ai loupé un au début là ou pas? Non. C'est bon. Alors ici, comment ça se passe? Ça se passe pas du tout. Vous êtes marrant, mais je fais comment là? Bon là là, suffit de libérer le passage avant. Voilà, comme ceci. Il faut d'abord tirer. Et là, on revient en arrière après être mort 2-3 fois. 5 sur 11, il nous en manque quelques-uns encore, ce qui... Ah non, ce serait bon. Non, maintenant ils sont là. Big Brother, succès. Pourquoi je ne me déplaçais pas vers le bas à ce moment-là? Ah, parce que là, du coup, il faut que je revienne dans cette orientation. Tendu, on peut passer là-dessous.
façon, ce qui est bien, c'est que les fichiers, on peut très facilement ne pas les ignorer. Ils sont tellement en plein milieu du passage qu'on est un peu obligé de les prendre. Personnel.bd, base de données, je suppose. Base de données des employés de Voltco. Dernière modification, 4 septembre 2034. Nombre d'entrées, 279 286. Avis de confidentialité. Cette base de données, comme les informations qu'elle contient, doit être strictement confidentielle conformément à la politique de sécurisation de la vie privée des employés. De plus, veuillez noter qu'en accord avec cette politique, il est strictement interdit pour les employés de Voltco de révéler leur vrai nom et leurs coordonnées à du personnel non RH. Ok. Welcome back, Alex. I hope you enjoyed your scheduled lunch break and are ready to undertake the next phase of testing. We value your. Oh my god! I can't believe we actually did it! Oh my god. Sorry. Just need a minute to take this in. Wait, what? Hang on, sorry, Alex. Something's wrong with my connection. If I get cut off, just do the thing that we discussed before, okay? Get the data to the. Welcome back, Alex. I apologize for my momentary lapse in communication. I hope you enjoyed your scheduled break. Please resume penetration testing by proceeding to the next section of the vault. Ah, c'est fait avoir. Remplacer, infecter. Quel est le bon terme ? Mais non. Ah ouais, mais non, je peux pas passer par en haut. Faut revenir en arrière, mais on a déverrouillé la porte qui était tout à droite. On serait pas contre revenir en arrière. Ok. Forcément. Hop. Ah mais là il faut aller là mais... Comment on fait ? Je crois que... Oui.
Non. Tac, tac. Voilà, punaise. Oh, il était compliqué celui-là, il était compliqué, mais il fait... Il fait du bien à trouver. Franchement, j'ai failli abandonner de récupérer toutes les crypto-monnaies. Du coup, ça reste... Did you know that Vaultco reward points can be redeemed for exclusive Vaultco branded merchandise? For only a few reward points, you can own a Vaultco mug, t-shirt or lanyard. Donc Sarah s'est fait remplacer par un robot. And rest assured that all our branded products are made using ethically sourced, fully recycled materials as part of our commitment to our Big Tech, Big Hearts corporate accountability initiative. So what are you waiting for, Alex? Hack your heart out and earn those reward points. Ah. Est-ce que les autres aussi auront remarqué ça? Alex, merci beaucoup. Oui, merci d'avoir pris la base de données du personnel pour nous. On a célébré la nouvelle. Ouais, mais genre, séparément, dans des villes différentes. Chez nous, dans notre appart, avec nos chats. Par contre, moi, j'ai un poisson rouge. Peut-être qu'un jour, on pourra célébrer IRL. Oh là. Que j'ai envie de libérer tout ça. Ça peut être marrant de tout libérer. Quel pattern ça me fait. J'espère vraiment qu'on pourra. C'est une des. J'espère vraiment qu'on pourra. C'est une des raisons pour laquelle on fait ça, non? Mon chat est d'accord avec toi et dit qu'elle a hâte de célébrer IRL avec le poisson rouge de Hot Chip. Bref, revenons à nos moutons. On doit te parler de Sarah. Ça fait un moment qu'elle n'a pas donné de nouvelles, donc on est inquiet. Peut-être qu'on lui a donné un avertissement ou un truc comme ça. Peut-être qu'il la surveille de plus près maintenant. J'ai l'impression qu'elle s'est surtout fait remplacer directement. J'ai réussi à lire certains des fichiers qu'Alex a déchiffrés pour nous. C'est surtout des mémos ennuyeux et des rapports de vente pour l'instant. Je vais continuer à regarder. Du coup Alex, on pensait peut-être... Sarah te dira ce qui se passe de son côté. On pensait que peut-être Sarah te dira ce qui se passe de son côté. Peut-être qu'elle te parlera avec une espèce de code. Moment, pas vraiment. Code? Genre les trucs d'espion? C'est vraiment le style de Sarah. Tout va probablement bien. Elle prend juste davantage de précautions. Oui, arrêtons de spéculer et voyons si Alex remarque quoi que ce soit. Oui, on a bien remarqué. Hein. Continue juste de faire ce que tu fais, Alex. Oh là là. Non. Ça, je peux pas. Je peux pas le toucher ou alors il faut que j'aille très vite. Wow, en allant vite, ça se remarque mieux. Ça marche mieux. On te recontactera. Tout explosé avant de partir. C'est marrant.
Non, ici il faut d'abord traverser et puis après tirer. Mais là je suis mort. Mais en revenant en arrière, à peu près par ici, je peux passer par là. Tirer ça et crever. Ok. Deux secondes. J'ai encore oublié qu'il fallait que je tire en avance. Ouais. Oula. C'est un peu tendu ici encore une fois. Ici. Dix-huit sur dix-huit. Juste faire un petit retour au menu. Non, on est bien toujours dans le chapitre 3. Ouais. Ouais. Là, on se bute, on revient dans le temps. On revient dans le temps, mais genre ici plutôt. Ah mais faut avoir tiré sur ce truc là aussi. Mais pas à ce moment là ici. Ici on tire. Non. Pas l'activer non plus. Ici il faut passer. Puis on prend là. Ça faut revenir en arrière. C'est compliqué. Ça c'est infaisable. Voilà, comme ça me paraît plus raisonnable. D'accord. Voilà. Maintenant, on arrive dans haut. Et... Hop là. On a le temps de faire ça, de se mettre par ici. Pas activer cette barrière. Pas activer la barrière, voilà. Ici, il faut passer là. Certainement tirer là et revenir dans le temps. Non, ici on est obligé de prendre ça. Alors, on peut se contenter de ces portes là.
Oui, mais là, il faut qu'on aille prendre le truc en bas avant. Non. On passe par en haut plutôt. Oui, mais non, du coup, j'ai plus besoin. La reprise après un ralenti, c'est compliqué. Est-ce qu'on atteint 21? On atteint 21, on est dans le ralenti et on réaccélère. Ouh. Désolé, du coup. J'utilise beaucoup plus le ralenti qu'avant, j'ai l'impression, mais c'est abrupt à reprendre, hein. Faut peut-être mieux pas la lâcher le jeu et tout enchaîner. Ok. Non, il faut que je détruise les deux. Oh punaise, c'est ouh. Je me prends les billes. Il fallait pas que je prenne ce truc là. Voilà. Pas que je le prenne. En tout cas, je pense. 12 sur 12 et on peut s'échapper. Voilà, voilà. C'est quoi ce labyrinthe?
Je veux bien, mais là je fais comment? Que c'était pas par là qu'il fallait que j'aille. Ou au moins il fallait que je détruise ça avant. C'est limite là le... Non, ça paraît bien complexe tout d'un coup ce truc. Attendez, on va revenir en arrière. Voilà, déjà ça me trottait en tête. Voilà comment on s'en débarrasse. Non. Ok, au moment où j'arrive ici... Comme ça. Ah non. Punaise. T'es sérieux? Non, il m'en manque deux. Oh punaise. Oh punaise ce niveau. Oh. Mais ça va bien. Ok. Alors là, il y a des chances que je doive tout refaire juste pour ces deux-là. Ouais. Ouais.
On a une toute petite chance, mais non. On a une toute petite chance, mais ça ne le fera pas. Du coup, on va... On va faire ceci. Il y en reste peut-être un peu plus que deux à récupérer. Mais on va se noter parce que celui-là c'est un bon gros puzzle comme on les aime. Voilà. Et de toute façon je verrai bien puisqu'il m'en manque. Donc on essaiera de le refaire pendant la découverte. Non. On va essayer de le faire en vitesse réelle. Hein. Pas le faire en réel parce que il faut Tiens, je reconnais cette image dans les... dans le pack d'images presse. C'était un joli Z ça, non? Oh là là, punaise! C'est hyper tendu! Ça passe un mur! Du coup, j'imagine bien les speedrunners le faire sans aucun ou avec le minimum de...
retour en arrière. Alors, mince. Certainement les speedrunners s'en fichent. Oh. Non, faut pas que je prenne ça. Si, il faut que je le prenne. Certainement les speedrunners se fichent de prendre tous les crypto machins. Mais quand même. De quoi ? Faut que je vise sur la gauche. Ouais, comment je peux viser sur la gauche ? Ah non, d'accord. Oui, non. C'est pas, je pense avoir compris, c'est juste que je suis un peu conquin des fois. Voilà. J'étais bien en haut en fait. Faut aller moins loin, faut savoir s'arrêter. Ou alors je m'arrête de l'autre côté hein. Ok. Bébé. Un peu trop loin pour changer. Et 22 sur 22. Donc là d'autant plus je peux pas me fier au succès vu que je sais qu'il y a un niveau. Bah c'est celui-là. Il n'a pas son... icône. Star test 6. Salut Ex, ça va, tu tiens le coup? On a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Ah punaise, ils inversent par rapport à la manette. Bon, ils font tourner le symbole, du coup faut bien prendre là où il y a le A et appuyer dessus. Et je suppose qu'ils remplacent par les symboles des touches PlayStation si vous avez une PlayStation. C'est pour ça qu'ils demandent quel type de manette on a au début du jeu. Enfin je suspecte en tout cas. Francky, la bonne nouvelle, c'est que tes protocoles de test n'ont pas changé depuis qu'on les a réinitialisés. Donc tu es toujours en chemin vers notre nœud de lisme. Ouais, on dirait qu'ils n'ont pas encore capté ce qu'on fait. Ah super. Rec, 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 rec.
Peut-être que Volko pense que se débarrasser de Sarah ferait l'affaire. Oui, Sarah a été virée. C'est la mauvaise nouvelle. Elle a réussi à nous faire passer un message à ce propos. Oh, elle a quand même pu passer un message. Mais tu avais peut-être déjà remarqué, non? Tu as peut-être même rencontré la personne qui la remplace. On a vu écrit Sarah, mais... Vrai que ça ne semblait pas au caractère de Sarah. C'était froid et tout. Je peux parier que le superviseur de Sarah a pris son pied en la virant. Je crois que son nom c'est Gavin, c'est ça? Un peu sadique celui-là. Ouais. C'est pas compliqué, faut juste savoir dans quel sens ils sont orientés. Ah oui, Gavin, une fois il a commencé à prendre en charge un de mes appels d'assistance. Il a menacé de me dénoncer. Zéro sens de l'humour, ce mec. C'est vrai que ça craint ce qu'ils ont fait à Sarah. Mais ça ne devrait pas affecter ton travail, Rex. Continue juste d'aller vers notre nœud de liaison. Bonne chance, on est tous derrière toi. Bonne chance, Alex. Je le fais lentement parce que je sens la douille, mais non, il y en a pas là, pour la fin. En tout cas, leurs serveurs sont plus sécurisés que ceux de Voltech en général. On this next server, you will be evaluating an enhanced version of our detection node technology. This new type of node will attach itself to a nearby intruder, then deploy an explosive defense protocol that will boot the intruder from the system. Our VaultCo management team believes this enhanced detection node technology may be undefeatable, even by the world's most skilled hackers. There is a high probability that you will find the security measure to be above your skill level. If this is the case, we will consider this the maximum security level vulnerable to intrusion, and your penetration testing contract will be complete. Please then log off and exit the system to receive payment for your services. Thank you for partnering with VaultCo, the world's most secure currency storage solution. Oui, et du coup, ils voudront pas m'envoyer de sous. Vu qu'ils auront la preuve que je ne peux pas pirater plus loin que ça. Ces nœuds s'attachent à vous et ils se détruiront. Ah, attendez. Vous avez approché de trop et s'auto-détruiront, d'accord. Ces barrières ne peuvent être détruites qu'avec un nœud de détection adhésif et resteront détruites même en remontant le temps. Oui, bah c'est. Ça m'avait l'air d'être évident. Ils détruiront toute barrière à leur portée. Ok, ça marche. Ici c'est mort. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce que ça marche d'ici?
On dirait pas. C'est tendu, on n'a pas le temps. Niaisé. Alors on en est où? C'est au moins 5 ou 6 niveaux là. Je suis obligé d'aller dans ce sens-là. Ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Faut revenir en arrière. Ah non. D'abord tirer avant de prendre ce truc là. Voilà, on est à 9 sur 9, on a pris même le fichier. C'est bon ça. Pour une fois, c'était un fichier non obligatoire pour la progression du jeu. Ouvrir le document. Rapport de test SM08944. Début texte déchiffré. Ingénieur d'assistance du modèle Sarah Markowi, version 0.894. Les résultats de l'analyse sentimentale sont non concluants pour l'instant. Les taux d'échec dans les tests de Turing du subconscient restent excessivement élevés. Recommandation, retarder le soft launch interne jusqu'à ce que les problèmes restants soient résolus. Un texte chiffré. On se rend compte que c'est un robot trop facilement puisque le test de Turing c'est... Avoir ça si on se rend compte que c'est un robot. Hello, Alex. Due to unforeseen hardware issues, we are obliged to perform unscheduled maintenance on our system. Unfortunately, this means that we are unable to continue penetration testing at this time. As such, we will be terminating your services effective immediately, as set out in clause 81C of your contract. Et vu qu'on se rend compte qu'elle n'est pas humaine, ils ont retardé son déploiement, mais vu qu'ils ont viré la vraie Sarah, on s'en rend bien compte. Please ignore the entry portal to the next section and instead exit the system now. Quoi ? C'est peut-être la vraie ? Ah ! Oh, j'ai eu un succès post-mortem damage.
Faire des dégâts après la mort, du coup. Allez, prends la bombe. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, il nous faut une courbe quasi parfaite, non? Plus ou moins quand même. Ah, j'y étais presque. Hop. 7 sur 7, c'est parfait. Les niveaux sont quand même passés de, même en reprenant un petit peu la main, les niveaux sont passés de 1 minute max à quand même 2 minutes. Je vais être un peu lent, mais 2 minutes je pense par niveau. Ah. Il faut ajuster la l'orientation, hein. En fait, je pense que les niveaux font toujours aussi longs officiellement. Vu que en découverte je veux essayer d'avoir toutes les cryptos que je peux, et ben je suis obligé de bien ralentir le temps, de retester 2-3 fois. Ah zut, un peu long. Et bon. Alors il nous reste combien de niveaux? Il nous en reste 3. Maintenant continuer. On va se les faire avant d'arrêter là. Non, 4. Niveau je suis et 3 autres. 4.
Please be advised that if you remain in the system without authorization, you will be subject to VaultCo's advanced security protocols. These measures include deactivation emitters, which will impede your ability to breach security gates using attachable detection nodes. Entravez votre capacité à outrepasser les barrières de sécurité en utilisant des nœuds de détection. Tout nœud de détection adhésif entrant dans le rayon d'action de l'émetteur se désactivera. La désactivation sera détruite. Quoi ? Oh. Les émetteurs de désactivation sont cependant vulnérables aux attaques de brute force. Ici, j'en ai besoin. On revient un petit coup en arrière. On revient un plus grand coup que ça en arrière même. Que je peux passer par là, je peux. Deux sur deux, on peut s'échapper. Donc j'avais un, j'avais dit 4 je crois. Donc jusqu'au 54. Attends. On revérifie, comme ça, ça sera bon. Ouais, mais là, on est 51. Test, 52, 53. Là. Deux niveaux après celui-ci. Ne quitte pas le système. The Sarah is alive. Salut, ex. On a de nouvelles infos. Il ne va pas aimer ça, c'est perturbant. Ils ont remplacé Sarah par une IA. J'ai compris. Et c'est pas la seule. Ils sont en train de remplacer des gens partout dans l'entreprise. Tu te rappelles ces collègues pour lesquels on s'inquiétait? Il s'avère qu'ils ne sont plus nos collègues. Ce sont des IA qui les remplacent et qui sont conçues pour parler comme eux. Tout comme dans les mémos de l'entreprise que j'ai lu. Il y a un tas de rapports de tests d'IA parmi eux. Ah, tout est dans les mémos de l'entreprise que j'ai lu, c'est pas tout comme. VaultCo a extrait toutes nos données. Tout ce qu'on dit, chaque frappe au clavier, nos personnalités au complet. Ils ont fourni tout ça à des algorithmes de machine learning pour entraîner ces IA de clones flippants. Oui, mais j'en fais quoi de ça? Ça. On se voit jamais les uns les autres IRL, donc j'imagine que n'importe lequel d'entre nous pourrait être une IA maintenant. Non, je pense qu'on serait capable de les reconnaître. Tu m'as eu, Hot Chip, qu'est-ce qui m'a trahi? Mon niveau exceptionnel aux échecs. Les IA qu'ils ont déployés pour l'instant sont juste des versions de test, un peu comme une bêta. Ça doit être pour la raison pour laquelle elle parle si bizarrement. On dirait que l'IA remplaçant Sarah a été déployée bien avant qu'elle soit prête. Une mesure d'urgence peut-être. Pour être honnête, elle a eu une tonne d'avertissements sur le fait qu'elle aille hors script. Donc Alex, il est important que tu ne croies rien de ce que cette IA Sarah
te dit. Ouf. L'IA Sarah pourrait même essayer de te faire quitter le système. Si ça arrive, ignore-la. On assurera tes arrières. Et ça nous fait bel et bien rien quand on va dans le rayon. Mais ça nous bloque. C'est compliqué tout ça là. Ok, on peut pas. Si on peut, mais on va voir les autres chemins. Ici, je peux pas vraiment passer. Excusez-moi. Oh là. Docteur Maboule. C'est passé. Ok. Ici. J'ai du mal à voir ce qu'on peut faire. Non, il fallait que je fasse tout ce chemin. Quand je vous dis que les pseudo-hackers ont un truc plus sécurisé que Voltco. Leur vieux serveur est plus sécurisé que celui de l'entreprise de base. Ah d'accord, ça nous permet de passer comme ça. Oui, ne baisse pas les bras Alex. On est si près du but. T'as juste à continuer d'avancer vers notre nœud de liaison. Une fois que la base de données du personnel est téléchargée, on pourra contacter nos collègues et leur dire ce qui se passe. Pendant ce temps, on va creuser un peu plus pour trouver... On va creuser un peu plus pour trouver plus d'infos sur cette technologie secrète d'IA que Voltco développe. Du coup, Alex, continue à débloquer chaque unité de données que tu vois. Il doit y avoir un document quelque part qui peut nous renseigner sur les plans de Voltco et leur IA flippante. J'imagine que ça conclut pas des tournois d'échecs. Que ça n'inclut pas des tournois d'échecs. Quel que soit leur plan, je pense qu'on va pas apprécier. Je pense aussi. Deceitful cake. Cake is a lie. Sarah is a lie. On avait dit encore deux niveaux. I am obliged to inform you that by failing to exit Voltco systems, you are now in breach of your contracting agreement. By breaching this agreement, you risk forfeiting payment for your services. Please ignore this server access point and exit the system now. Oui, mais apparemment ils ont déjà pas payé notre ancien collègue. Ancienne collègue. Non, déjà c'est loupé. Oui.
comprends ça. Si on se casse par là, par exemple. On peut faire ça. Si on se casse par là. Presque. Et maintenant pour tout récupérer. Faut qu'on descende par la droite et qu'on se débrouille après par la gauche. Hein. Ah non, faut qu'on passe. On passe comme ça. Je pense qu'il aurait fallu que je remonte. Hein. On a déjà fait la moitié gauche. Voilà. On est libéré. D'accord, il fallait en ramener un de plus ici. Et voilà. C'est donc le niveau 52. Et normalement... qu'il reste un niveau. On va le faire là où on en est. Ok. Là, on est bien zoomé. Ok. Ok.
aller savoir si je peux revenir en arrière ou aller en avant. Ok. Non, trop tard. Le 28 sur 28, on a le fichier. Point sur Next You. Aux entreprises associées. Début texte chiffré. Voltco a le plaisir d'annoncer à ses partenaires majeurs Geektech, Virago, Telso, Ufosys, Molfood, Electrax, Faisal. Ouais, j'ai reconnu Telso et Faisal, j'ai l'impression, mais Geektech peut-être. Mais les autres, je suis pas sûr. Que notre technologie d'automatisation d'employés NextU est à la dernière phase et à sa dernière phase de développement et sera bientôt prête à une certification et un déploiement mondial conformément à notre calendrier. Conformément à votre demande, les sociologues sont en train d'effectuer une évaluation détaillée des risques du plan de la vague finale pour la désaffectation de masse des ressources humaines, précisément. Nous élaborerons une estimation des coûts, des dommages qui pourraient être causés par des mouvements sociaux résiduels. Nous anticipons cependant que toute perte à court terme sera compensée par des gains considérables sur le moyen et long terme. Fin texte chiffré. Et cela conclut donc, si cette fois je ne me trompe pas, voilà, on a fini le chapitre 3. Il y a donc ce niveau qui est pas fait à 100%. Je pense que je vais en plus en profiter pour le montrer dans la découverte. Comme ça, ça fera un niveau avec du challenge, etc. etc. Je pense d'ailleurs que du coup la prochaine vidéo que je tournerai, ça sera justement cette vidéo découverte, parce que j'ai vu assez du jeu pour pouvoir l'expliquer aux autres, et je suis encore assez frais dedans pour ne pas en être dégoûté, d'en avoir trop joué. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode beaucoup plus long que les autres, beaucoup plus long que prévu, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye bye.